Mousse, s'il te plaît. J'ai créé cette ASBL dans le but de sauver des ânes et des poneys de la boucherie. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 400 chevaux, enfin 400 équidés qui partent par semaine à la boucherie. Là-dedans, il y a des chevaux qui sont en super bon état, mais dont les gens veulent se débarrasser. C'est plus simple d'appeler un marchand plutôt qu'essayer de leur trouver une famille. Donc voilà, j'essaye de me renseigner où il y a des petits malheureux. Je vais les chercher, on les retape, on les soigne et puis on leur cherche une famille d'adoption. Alors quel âge il a, Sandrine? Alors William a tout juste 8 jours. Il est né le 1er mai et c'était un peu une surprise parce que c'était pas du tout prévu. Queen a été sauvée de l'abattoir il y a 3 semaines, un peu plus, un mois maintenant. Et ben voilà, on avait des doutes et les doutes ont été confortés. Elle avait déjà fauté alors? Elle avait déjà fauté. Quel est le type d'animaux que vous acceptez? Alors moi personnellement, vu mes infrastructures qui sont assez modestes, je ne prends que des petits poneys et des ânes. Le but n'est pas du tout de les faire adopter pour qu'ils soient montés. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le but. Parce que quand on les sauve, ils sont dans un tel état généralement que je ne peux absolument pas garantir aux gens qu'ils vont être montables. Les budgets viennent d'où? De Panama? J'aimerais bien qu'ils viennent de Panama. Mais non, et ben les budgets viennent justement de toutes ces personnes qui sont là et qui viennent nous aider par des petits dons, par des cadeaux, par voilà, tout est des bienvenus. Et il n'y a pas de petits dons. Un petit don, eh bien, il permet de nourrir, il permet de soigner, il permet de faire plein de choses. Parallèlement à ça, vous avez aussi un restaurant. Alors, le domaine du blé, c'est tout un complexe. Vous avez un hôtel, un restaurant et une boîte de nuit. Et des chevaux sauvages. Et des chevaux qui ne veulent plus. On peut aller manger. Allez-y, Marcus. Les soirs en boîte, les... Ils ont l'habitude, ils aiment bien. Bon, merci Sandrine. Merci. Je ne vais pas aller dire... celui-là, on ne va pas l'emmener à la clinique, parce qu'il n'y a personne qui est parrainé. Il n'est parrainé par personne, donc on ne va pas les dire. Okay. Donc voilà. Mais c'est ce que je disais bah, justement dans l'interview, on a un tout petit don, voilà, 5 euros pour nous. Est-ce que vous avez besoin de matériel le soir demain? Parce que j'ai un cheval et j'ai des choses que je ne maîtrise pas. Ou pas vraiment? Pas vraiment, franchement pas vraiment. Je demande parce que je donne voilà. Là où ça peut faire plaisir. Madame, aussi. Un petit rappel, vous pourriez me dire combien de lapins vous possédez? Allez-y. S'il vous plaît. J'ai 50 lapins. Et toujours célibataire. S'il vous plaît. J'ai 50 lapins. Et toujours célibataire. C'est ça.